Shalom, shalom. Paix et joie à toi, bien-aimé de Dieu. Paix et joie à toi, porteur de grâce. Je te salue en ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore assemblés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En unisson de cœur et d'esprit, avec tous nos anges gardiens, avec tous les saints et les saintes du ciel. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci en ce matin pour le don gratuit de la vie, le souffle. Nous te disons merci pour tes bontés que tu as renouvelées en chacun de nous. Et en ce matin, Seigneur, nous avons encore envie de nous laisser aller dans ta douce présence, au travers de ta parole. Et tu nous demandes de s'aimer cette parole contre vent et marée partout où nous sommes. Et bien-aimé de Dieu, en ce matin, je veux te dire ceci. Nous avons l'habitude de regarder notre Seigneur dans l'exercice de sa prédication, dans son ministère de guérison et d'exorcisme, mais peut-être moins dans ses retraits. Alors même que les foules le réclament, ses retraits sont consacrés à la prière, tout simplement pour te dire, bien-aimé de Dieu, que dans ta marche avec le Seigneur, par moments, il est nécessaire de te retirer dans le secret, pas seulement pour te cacher de la foule humaine, mais te cacher dans le saint, c'est-à-dire dans la présence de notre Seigneur. Aller chercher la face de Dieu. Aller chercher encore, c'est-à-dire aller encore à la rencontre de Dieu pour pouvoir proclamer sa parole comme le demande l'évangile de ce jour. Aller porter du fruit. Aller donner de la guérison au travers de la parole. Aller donner du réconfort au travers de sa parole. Aller donner de la consolation à une âme au travers de la parole. Alors, bien-aimé de Dieu, en ce matin, fais simplement monter cette prière à Dieu par le Saint-Esprit en disant, Père, par l'action de ton Saint-Esprit, donne-moi de pouvoir proclamer ta parole contre vents et marées. Au travers de ta parole, de pouvoir témoigner de tes hauts faits, témoigner de ta fidélité constante et réelle dans notre vie. Au travers de ta parole, que je puisse impacter. Au travers de ta parole, que je puisse être concerné et soucieux des âmes que tu m'envoies. Peu importe les lieux où je suis, que ce soit sur mon lieu de travail, que ce soit au sein de ma famille, que ce soit même dans mon foyer, que je puisse parler de toi, que je puisse proclamer ta parole sans avoir honte, sans avoir peur de qui que ce soit. Car seule ta parole demeure, car seule ta parole est vérité et lumière pour nos âmes. Que ta parole demeure dans les fondements de ma vie. J'annoncerai ton nom, je parlerai de toi contre vents et marées. Afin que ta parole demeure dans les fondements de ma vie. J'annoncerai ton nom, je parlerai de toi contre vents et marées, afin que ta parole demeure dans les fondements de ma vie. J'annoncerai ton nom. Parlerai de ton amour, Seigneur. J'annoncerai ton nom dans toutes les nations. Contre vents et marées, je parlerai de toi.
Parce que tout simplement, je suis une âme qui veut que ta parole demeure dans sa vie quotidiennement. Parce que je suis une âme qui a besoin que ta parole soit les fondements de sa vie. Voilà pourquoi en ce matin, en unisson de cœur et d'esprit, avec mon frère, avec ma sœur, je te fais cette déclaration pour te dire, Seigneur, je veux que ta parole soit celle qui m'oriente dans le quotidien de ma vie. Que ta parole soit celle sur laquelle je m'appuie pour pouvoir ramener des âmes à toi. Dans les fondements de ma vie, j'annoncerai ton nom, je parlerai de toi contre vents et marées, afin que ta parole demeure dans les fondements de ma vie. J'annoncerai ton nom. Contre vents et marées, contre vents et marées. Alors, bien-aimé de Dieu, en ce matin, je prie vraiment que la parole de Dieu soit le centre de ta vie, que la parole de Dieu demeure quotidiennement dans ta vie. Même quand tu ne comprends pas, que le Saint-Esprit lui-même puisse t'orienter vers la parole afin que tu puisses reprendre vie, reprendre courage au travers des lois de notre Seigneur. Et je te souhaite de passer une agréable et sainte journée dans la présence de notre Seigneur. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.